de hockey podium. Depuis tant d'années, vous l'attendiez tous, les filles, mais aussi les garçons. Et pour commencer, nous avons invité Alex Théo du Boys Gland pour son nouveau clip. Alors, comment ça va, Alex Théo? Ça va bien. Salut Isa, salut tout le monde, salut les filles, salut les garçons. Ouais, nous sommes super contents de te retrouver. Alors, dis-nous tout sur ta nouvelle chanson et ton nouveau clip. On est tout ouïe, on veut tout savoir. Explique-nous. On t'attendait tellement longtemps. Vas-y, explique-nous. Alors cette chanson que j'ai mis quand même 2 ans à écrire, 2 ans de travail, tu vois, en studio, dans ma cuisine, pour enregistrer ce single des Boys Gland, Emmène-moi dans ma cuisine. Et ouais, c'est vraiment quelque chose pour les couples, tu vois. Je voyais beaucoup de couples qui faisaient beaucoup de scènes de ménage à cause de la vaisselle, à cause du repassage. Et je me suis dit, il faut que je fasse un single, il faut que je fasse un album pour donner envie aux mecs de faire la vaisselle et surtout que ça peut apporter un plus dans le couple. Ah ouais, trop cool! Tu es pour la paix des ménages et tu nous expliques comment c'est super de faire la vaisselle et même c'est de la motivation pour vraiment que ce soit trop top du top. Mais dis-moi, Alex Théo, comment tu fais pour être toujours autant beau gosse? Comment tu as fait cette musculature extraordinaire? Ouais, j'adore! Et les filles, elles sont en sueur. Dites-nous, comment t'as fait? Bah en fait, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de sport. Les jeunes, il faut faire du sport parce que les filles, elles aiment beaucoup les mecs qui font du sport, qui sont balèzes, mais aussi des mecs qui sont gentils, qui vont les aider au quotidien. Ouais, les mecs, il faut faire ça. C'est important, c'est important. Moi, je quitte jamais ce pendentif. Voilà, ce pendentif, ce qui était un bouchon d'évier. Et d'ailleurs, il est à vendre Ah ouais, sur mon justement, Instagram. on allait te poser la question, c'est Alex Théo, où c'est qu'on peut trouver ce magnifique bijou très original? Parce que j'imagine que maintenant tout le monde va vouloir le porter, c'est trop cool de porter ça. Comment tu fais, comment on fait pour l'acheter? Alors, c'est sur mon Instagram avec le code promo vaisselle. Donc, vous tapez vaisselle avec le code promo, bah, le pendentif bouchon d'évier que vous pouvez acheter. Voilà, c'est vraiment pas cher, hein, aux alentours de 15 €. C'est vraiment, c'est donné, quoi. Ah ouais, pas cher, mais dis-moi, Alex Théo, tu es revenu, tu nous as fait un clip extraordinaire. Mais dis-nous, est-ce que ça voudrait dire, parce que bien sûr, ça pend aux lèvres des fans, est-ce que tu nous prépares un nouvel album là pour 2021-2022? Vas-y, dis-nous, parce que nous, on veut savoir. Alors j'ai des projets, beaucoup de projets. Le projet d'un autre single donc, qui sera dans un autre album, c'est je passe l'aspirateur dans la maison et ça va cartonner. C'est l'histoire d'un homme qui passe l'aspirateur pour sa copine, pour que sa copine elle soit contente. Et voilà. C'est des choses à vivre, c'est toute une histoire incroyable de l'homme parfait qui fait des choses pour sa femme, pour sa copine, et puis pour aussi, on va pas se mentir, hein, pour draguer les filles, savoir se rendre utile. Ouais, les garçons, les mecs, il faut savoir que nous les filles, on aime bien voir quand le mec il fait le ménage, c'est trop sexy et en plus c'est trop bien pour le couple. Et même hein, quand on est tout seul, ça donne la motivation pour avoir un belle apparence comme toi, ça donne motivation pour ranger sa maison en fait. Voilà, Ouais. ne plus voir les tâches ménagères du même œil, toujours regarder ça sous un œil nouveau, trouver des petites techniques de motivation pour rendre les tâches moins pénibles et même plutôt et même rendre les tâches agréables. En fait, c'est ça que je veux faire passer aux jeunes, que les tâches du quotidien deviennent agréables plutôt que ça soit des corvées.
Donc faites en D'accord. sorte que ça soit agréable pour vous. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu cette idée-là. J'étais là, je faisais la vaisselle, je passais 2 heures à faire la vaisselle. Bah parce que, et puis, je m'engueulais souvent avec ma femme, et c'était compliqué. Et puis d'un coup, eh ben, je regarde le bouchon d'évier, et voilà, et j'ai pensé aux boys band, et je me suis dit, les boys band, ce sera quelque chose de nouveau, ce sera un nouveau concept, le boys band, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage? Alors dis-nous, Alex Théo, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, quand est-ce qu'il va sortir l'album? Est-ce que tu nous prépares un concert? Et puis si tu as aussi des codes promo pour tes fans qui sont trop contents et trop contentes de te retrouver? Alors ouais, j'ai des concerts de prévus à la piscine municipale du village du coin. Et ouais, franchement, bon, c'est un peu compliqué en ce moment. On est obligé de faire ça de manière un peu clandestine. Mais ouais, franchement, ouais, j'ai pas mal de projets et ouais, c'est Ah super. ouais, à la piscine comme les Américains. Ouais, à la piscine carrément, Ah ouais. ouais, trop cool, comme ça, il fait chaud. Et comme aussi au camping. Oui, Ouais. exactement. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des petits jeunes, bah, qui vont se rencontrer sur mes chansons, qui vont devenir, enfin, qui vont se mettre en couple, qui vont tomber amoureux, qui vont faire des enfants sur mes chansons. Voilà, ils vont se retrouver, paf, allez hop, dans les vestiaires, c'est magnifique. Donc, Alex Théo, comme avant, quand on n'avait plus de nouvelles de toi, tu restes le boys band de l'amour. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Isa. Ouais. Alors, ouais. Donc, OK Podium, t'es trop, trop, trop content de te recevoir. Je pense que nous allons, à la demande des fans, refaire une interview pour voir la suite des événements par rapport à ta carrière qui redémarre. Voilà, on attendait tellement, tellement, tellement. Alors, les amis, n'oubliez pas d'être très très actifs, de parler à tous vos copains et vos copines. Donc, un mot de la fin, Alex Théo. Bah, soyez des beaux gosses, quoi. Des beaux gosses! Faites du Yeah! sport! Ouais, motivation. Eh bien, OK Google, OK Podium, on vous dit à très bientôt, restez sur l'antenne. Ciao, ciao, les amis! Mouah!